السلام عليكم. اسمي محمد الصلاحي. تربيت وترعرعت في موريتانيا ودرست في ألمانيا. عند رجوعي إلى الوطن لزيارة والدتي المريضة اختطفت وفرضت علي الإقامة الجبرية، وبعد أحداث 11 من سبتمبر اختطفت إلى الأردن ثم إلى أفغانستان وبعدها إلى معتقل غوانتانامو باي، حيث قضيت 15 عاما. خلالها كتبت كتابي يوميات غوانتانامو باي، والذي سأقرأ عليكم بعض صفحاته. Mesdames et messieurs, bonsoir. Désigné coupable, c'est le livre que j'ai écrit à Guantanamo Bay. La démocratie américaine a-t-elle passé avec succès les tests auxquels elle a été soumise après les attentats de 2001? Je laisse le lecteur en juge. Cela étant, alors que j'écris ces lignes, les États-Unis et ses citoyens n'ont toujours pas résolu les dilemmes que constituent les détenus emprisonnés à Cuba. Dans les premiers temps, le gouvernement américain fut enchanté de ces opérations secrètes qui lui avaient permis, pensait-il, de rassembler les individus les plus diaboliques à la planète à Guantanamo. Contournant les lois de son pays et les traités internationaux afin de mettre en œuvre sa vengeance, il s'est rendu compte par la suite et dans la douleur qu'il n'avait emprisonné qu'une bande de non-combattants. Aujourd'hui, les États-Unis sont empêtrés dans ce problème. Pourtant, ils ne montrent aucune volonté de communiquer sur ce sujet et de dévoiler la vérité sur l'ensemble de cette opération. Tout le monde commet des erreurs. Il me semble que le gouvernement américain doit à ses citoyens, au moins, la vérité à propos de ce qui se passe à Guantanamo. Qu'en pense le peuple américain? J'aimerais beaucoup le savoir. J'aimerais croire que la majorité des Américains souhaitent que justice soit faite, qu'ils n'ont pas envie de financer la détention d'innocents. Je sais qu'il existe une infime minorité extrémiste persuadée que tous les prisonniers enfermés dans cette prison cubaine sont des individus maléfiques et que nous sommes mieux traités que nous ne le méritons. Mais ce genre d'opinion n'est fondé que sur de l'ignorance. Je suis stupéfait qu'on puisse se forger un avis si négatif à propos de personnes qu'on ne connaît même pas. ياسر طلال الزهراني، علي عبد الله أحمد، مانع شامان العتيبي، عبد الرحمن العمري، عبد الرزاق
حكمتي وضاح الحنشي أوال قول حجي نسيم عدنان فرحان عبد اللطيف قول رحمن ديلا وار ملا حبيب الله جمال ناصر عبد الوالي محمد سياري.